Et bien bonjour à tous, c'est Varman, aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 8 de notre K1 suivi sur la map Upper Lazatia. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on va aller endainer et presser. Donc on va endainner et presser l'herbe qui est dans deux champs différents, on va dire ça comme ça. Donc sans plus tarder, on va y aller. Voilà, on va y aller. Donc l'autre techniquement il est en follow me, il est censé me suivre. Oui, c'est bon. Je l'ai mis en follow me, comme ça, ça m'évite de perdre du temps, quoi. Comme ça, lui, presse, on gagne du temps, quoi. Voilà, c'est un peu un gain de temps, on va dire ça comme ça. Voilà. Alors l'autre, il va me rentrer dedans. Ah non, même pas. Bon, je sais ce que je vais faire, là, c'est pas réaliste, mais c'est pas grave. C'est comme ça, c'est lancé. Voilà. Du coup, on a ce champ-là, qui est le champ 28 à faire. Du coup, on a le champ 28 à en donner pressé, et puis on a également le champ 16, voilà, le champ 16 qui est un petit peu plus loin à faire. Techniquement, il est censé tout prendre, oui, c'est bon. Et donc, j'ai fait deux coupes, je tiens à préciser, donc j'ai fait deux coupes, c'est pour ça que l'herbe, j'espère qu'il va y en avoir pas mal, parce que je vais en avoir besoin aussi. Donc, je vais pas garder l'herbe tout simplement en mode en tant qu'herbe, voilà, je sais pas trop comment expliquer, mais je vais pas garder l'herbe pour nourrir les moutons ou quoi que ce soit, c'est pour l'enrubaner. Voilà, je vais l'enrubaner par la suite pour pouvoir faire comme de l'ensilage pour les vaches. Voilà, donc c'est comme pour faire de l'ensilage, puisque du coup, l'ensilage que j'ai ensilé dans l'épisode précédent, je l'ai mis au BGA. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai un peu plus d'argent de 144 000, simplement parce que tiens, c'est déjà le deuxième ballon. Parce que tout simplement, j'ai. Alors là, par contre. Voilà. Par contre, Michel, tu vas me faire chier derrière. Je vais t'enlever vite fait. Merde. Je vais t'enlever vite fait. Voilà. Si j'appuie sur la mauvaise touche, c'est sûr que ça va pas le faire. Du coup, là, ça va être un peu embêtant. Mais je vais me débrouiller. Là n'est pas le problème. Voilà. On va faire ça comme ça. Nickel. Je viens juste de m'apercevoir que j'ai encore pas lancé mon chrono, donc c'est ce que je vais faire immédiatement. Excusez-moi, j'ai juste lancé mon chrono. Si j'arriverais à déverrouiller mon téléphone, ce serait encore mieux. Voilà. C'est bon, j'ai lancé le chronomètre. Donc, je sais même plus ce que j'étais en train de dire. C'est génial. Fantastique les élastiques. Et formidable les cartables. Donc, du coup j'ai 144 000 euros parce que j'ai vendu de l'ensilage. Voilà, vu que j'ai vendu l'ensilage, donc comme ça, vous savez pourquoi j'ai un petit peu plus d'argent. Bon, j'ai plus de jambes en théorie, mais c'est pas grave. L'enrubanage, ça va être pour les vaches, pour les petites vaches. Comme ça, on va pouvoir les nourrir parce qu'il me reste 4 ballots enrubanés, je crois, des rondes. Celles qu'on a d'origine quand on arrive sur la map, clairement. C'est tout ce qui me reste. Ouais, donc c'est tout ce qui me reste. C'est pour ça qu'il me faut un petit peu d'enrubanage. Hein. Sinon, je n'aurais pas fait, qu'on soit bien d'accord. Après, là, j'ai essayé de faire un truc un peu plus droit pour que ça soit plus facile, entre guillemets, à presser après pour l'autre zigoto qui me suit, là, qui est en train de presser. Tiens, c'est étonnant. Il n'y a pas eu de ballot jusque là, et puis d'un coup, il y a un ballot tous les 2 mètres. Ok. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Donc, je tiens à préciser, à la base, je suis censé tourner une vidéo sur le petit caillou. Mais le problème, c'est que j'avais tourné une partie ce matin. J'avais commencé ce matin, mais il fallait que j'y aille. Bref, j'avais quelques petits soucis, et puis il y avait Guillaume sur la conversation. Donc, ce serait une vidéo avec Guillaume. Ça arrive plus souvent, donc à force je crois que vous êtes un petit peu habitué. Hein. Voilà. Je crois qu'à force vous êtes un petit peu habitué, mais du coup je parlais justement du fait que ça m'a fait du bien. Voilà, je vais en reparler. Donc ça me fait du bien de me mettre séparé un petit peu de YouTube, de m'être écarté un petit peu de YouTube. Je sais pas si on peut le dire comme ça ou pas. Mais ça m'a fait du bien. Même si j'ai fait des lives, hein, avec une qualité médiocre, on va pas se le cacher, avec la qualité médiocre, ça m'a fait un petit peu de bien quand même. Je crois que ça s'entend en plus parce que je suis motivé, j'ai l'impression. Et lui, il a terminé son boulot, lui. Enfin, son boulot, vu la merde qu'il m'a fait, Enfin, bref. Le ballon, il risque de faire chier, non? Ouais, il a fait un petit oubli, c'est pas grave. Vous savez quoi? On va. Il est là.
Ouais, bon, il m'a fait plein d'oublis, mais c'est pas grave. Arrêtez la course. Voilà, je vais le relancer dans un autre champ plus tard. Ici. Voilà. Donc voilà. Appelé. Du coup, oui, ça m'a fait du bien. Voilà, ça m'a fait du bien de m'écarter. Puis bon, maintenant j'ai la hype. J'ai voilà. Et donc, comme j'avais dit, dans vraiment à la fin d'une vidéo, n'importe quoi. Allez, je suis reparti dans le délire des vidéos, moi. À la fin d'un live, pardon. J'avais dit que je réduirais 1, 2, 3, que je réduis mon nombre de vidéos par semaine. Enfin par semaine, je vais pas faire tous les 2 jours quoi, c'est intenable. Enfin pour moi du moins c'est intenable avec les cours tout ça. Du coup je vais passer d'une vidéo tous les 2 jours à une vidéo tous les 3 jours. Donc généralement vous allez avoir 2 semaines où il y aura que 2 vidéos par semaine et une semaine où il y en aura 3 en théorie. Après si c'est vraiment comme ça on verra bien. Mais normalement ça va être ça, je suis désolé hein, mais je préfère que vous ayez des vidéos dans lesquelles je suis motivé et où je suis un petit peu organisé quand même. Par exemple on dirait pas, mais pour tourner une de mes vidéos faut quand même s'organiser. C'est à dire que bon bah c'est pas genre juste je lance la partie, j'enregistre et puis basta. Non, par exemple là au début je devais terminer ce que j'avais fait dans l'épisode d'avant. Fait que je termine, faut que j'avance un petit peu sur la map quand même, histoire que, voilà quoi, voilà. Vous m'avez compris. Et par exemple j'ai fauché les 2 champs, du coup oui c'est 2 coupes, hein, que, je crois que je l'avais déjà dit. J'ai fauché les 2 champs, etc, 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 enfin bref. Voilà quoi, il faut quand même s'avancer un petit peu. C'est bon. Ça, ça n'a pas pris autant de temps que je croyais. Attends, là il reste encore un petit ballot là, qui va me faire chier sur la route, je le sens. Pouvoir passer ici, voilà, là où il y a le petit ballot, enfin le petit ballot, n'importe quoi, le petit reste, en espérant que le ballot il tombera. Est-ce qu'il tombe? Ok, il tombe pas. Alors, hop, on va vider la presse ici. Ouais, j'ai la flemme de le replier, parce que sinon il va falloir que je redéplie tout à l'heure. Enfin bref, du coup, là, on va aller au champ juste à côté. Voilà, du coup là il y a déjà pas mal de ballons n'empêche hein, parce qu'après il va quand même falloir tous les enrubanner. Tiens c'est ça qu'il faut que j'achète encore, c'est une enrubaneuse. Sinon c'est sûr que ça va être un peu compliqué pour l'enrubaner si j'ai pas l'enrubaneuse. Voilà. Ouh, là je risque d'être un peu large. Non c'est bon c'est passé. Du coup ouais, il faut que j'achète encore une enrubaneuse. Bah écoute, je propose même de l'acheter maintenant comme ça c'est fait. Balle plutôt, parce qu'ils disent balle, eux. Ouais, j'ai où l'enrubaneuse? 33 000, ok, j'ai pas une deuxième par hasard. Je crois qu'il y en avait deux. Genre deux fois la même, sauf que celui-là, 32 400, ouais, mais celui-là, il prend plus facilement les ballots, 32 400, et puis l'autre, c'était combien? Déjà, j'ai déjà perdu le bordel, donc 32 400, 33 000, ouais, bon, on va prendre celui-là, parce qu'il fait quand même des meilleurs ballots, hein, de niveau la gueule, hein, et puis, enfin, de la gueule. L'esthétique du ballot, c'est qu'il est quand même beaucoup plus beau au final avec cette presse là. Ou les. avec cette enrubaneuse là, enfin bref, voilà quoi. J'ai pris celle-là là, et puis c'est comme ça, c'est tout. Ceux qui sont pas contents, qu'ils aillent se faire foutre, très clairement, j'ai pas peur de le dire. Mais bon. Parce que bon, du coup, là c'est bien beau de faire ça, mais ça va me prendre longtemps quand même pour faire pour tout enrubaner. Peut-être même qu'on va réussir à tout enrubanner dans cette vidéo là, ça m'étonnerait, mais ça c'est pas possible hein, parce que rien n'est impossible. Ah ouais, bon, ici aussi ça va débiter au niveau de l'air. J'ai encore hésité à faire 3 coupes, hein, je tiens à le préciser. 1, 2, 3. J'ai hésité à faire 3 coupes. J'ai très clairement hésité à faire 3 coupes, mais je me suis dit non, déjà que 2 coupes ça va déjà faire pas mal d'herbe. Alors si j'en fais une 3e coupe, ouh, ça va me faire de l'herbe, mais beaucoup trop, genre. À chaque fois je me trompe de couche. Du coup ouais, là je suis obligé de faire ça comme ça, parce que sinon je vais pas pouvoir faire marche arrière ici. Bon, déjà que même s'il me fait pas chier d'autres Michel, je fais de la merde, enfin bref, voilà quoi. Appeler ici, voilà. Là c'est un ballot qui va me faire chier, mais tu vas voir s'il va me faire chier, tu vois. Voilà. Là. Pourquoi j'ai mis les fins? Voilà. Ouais, du coup, ça va plutôt. Ouais, je
curieux de savoir combien on va en avoir. Bah, de toute façon, si on en a beaucoup trop, bah, je vais en vendre au BGA. Au BGA. Au BGA. Je vais en vendre au BGA. Je vais en vendre au BGA, pardon. Ouais, du coup, je vais en vendre au BGA s'il y en a vraiment trop, s'il y en a pas tant que ça. Enfin, je sais qu'il va y en avoir beaucoup, mais s'il y en a pas excessivement beaucoup, je vais le garder, quoi. Voilà. Voilà, c'est sûr, il va me faire un oubli, c'est sûr à 100%, mais bon. Ouais. Ouais, bah voilà, j'ai gagné le pari. Et je parle pas de la ville, hein. Oh non, ça me fait penser à une putain de lac de merde. J'hésite à la faire. J'hésite à la faire. Vas-y, tu sais quoi, je vais la faire pour que vous sachiez, hein, mon niveau de lag. Qu'en fait, si tu veux, genre, tu vois, c'était. Bah, du coup, c'était hier, hein, à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, donc samedi après-midi. Bah, j'étais à Paris, et du coup, bah, j'ai raconté une blague à un parisien, mais il est à Paris. Oui, mon niveau de blague s'arrête à ce niveau-là. Enfin bref. Je suis désolé de faire ça, mais c'est vraiment sous l'excitation de tourner une vidéo. Hein. C'est, ça fait plaisir, voilà, ça fait vraiment plaisir, je sais pas, je suis content. Il y en a qui vont dire que j'exagère, d'autres qui vont dire que je suis un gamin, mais je vous emmerde. Laissez-moi tourner ma vidéo si je suis content. Enfin bref. Ouais, du coup, là, je crois qu'on va faire des allers-retours. Ça va être un peu mieux quand même, parce que si on va que faire des tours, à la fin, on va se faire avoir, si on peut dire ça comme ça. Donc, ouais. Du coup, là, je vais prendre tous les trois. Tous les trois en bas, ok. C'est bon, j'ai compris comment je vais pouvoir rendre tout ça. Donc, techniquement, là, il en restera 3. Je ne m'abuse. Non, il en restera 2. Bon, bah, tant pis. Ça fera un endroit un petit peu plus petit, je me suis raté sur le coup, mais quand même. C'est comme ça, c'est comme ça. J'ai fait une doulette, je l'assume. Totalement. Je l'assume. Attends, du coup, là, il faut que je remette. Enfin, que j'y prenne un stand-by-ci, si je ne m'abuse. Je parle un peu de la buse de la moissonneuse, hein. Attention, hein. Pardon. Putain, je parle tellement et je suis tellement content que j'ai déjà la mal à la gorge. C'est un truc de dingue, ça. Enfin bref. Ah bah tu vois, maintenant ça devrait aller mieux. En fonction des endroits. Le premier, je suis raté. Mais là, censé aller mieux. Du bien censé. Hein. Du coup, 3. Bah écoute, je vais faire le tour comme ça. Parce que sinon, le ballon, il va m'embêter de nouveau. Il va m'embêter de nouveau. Voilà. Quand même ceci. Ouh. Ouais, c'est pas que je suis un petit peu emmerdé, mais c'est pas grave. Tu ouvres ça comme ça, voilà. En fait, pour ceux qui veulent savoir pourquoi j'en donne comme ça, c'est simplement parce que ça me, bah, c'est plus facile pour tourner. Et puis bon, voilà. Donc ça, la presse qui est derrière, il y a un, deux, trois. La presse qui est derrière risque de faire bah, moins de conneries, hein, très clairement, moins d'oubli, quoi. Je vais dire ça comme ça. Voilà. Sur ce temps là donc on va faire un petit peu de vue intérieure aussi, hein, pourquoi pas, écoute, hein. Ouais, bah on va faire ça comme ça. C'est bon, j'ai réussi à tout prendre. Faire ça comme ça, voilà, comme ça, ça sera tout bon. Bon, déjà on doit déjà être à quoi, 12 minutes 13 minutes de vidéo. Putain, le temps passe vite, hein. J'ai l'impression d'avoir rien fait, j'ai juste l'impression d'avoir ordonné et pressé un champ, quoi. Bah, c'est ce qu'on a fait en vrai, mais bon, voilà, quoi. Du coup, ouais, tac 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 tac, tiens, on va reprendre ici. Voilà. T'as la clé. Je sais, il n'y a aucune logique dans comment j'en aide. Enfin, si, il y a quand même une petite logique, mais pas grand chose, on va dire ça comme ça. Pas grand chose, pas grand chose. Du coup, je sais pas quel tracteur je vais utiliser pour en aider à nouveau. Je crois que je vais prendre le petit Fen. Qu'est-ce qu'il est, bah, 1, 2, 3, parce qu'il est quand même un peu plus puissant. Il roule plus vite que le Renault. Donc bon. Écoutez, voilà. Nickel. Ah oui, il y a quand même pas mal de ballots. Hein. Là, je sais pas. Je vais bien me faire chier à tout enrubaner, hein. Ça, je peux vous le dire. Je vais pas tout faire en vidéo, c'est un truc, c'est sûr. Je crois peut-être même que dans la prochaine vidéo, on va rentrer quelques ballots, mais ça m'étonnerait.
Du coup, on a fait de l'enrubannage dans sur le petit caillou, là, sur un petit caillou, puis on en fera ici, voilà quoi, c'est la fête. Vous savez quoi? Je vais faire la petite miniature. Voilà. Ça, on est plutôt pas mal pour la miniature, moi. Donc on fasse ça comme ça. Voilà, ça fait une belle petite miniature. Voilà. Parce que moi j'aime bien aussi c'est vous montrer comment je fais une miniature, etc. J'aime bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le montrent. Bon, il y a quand même quelques gens qui le montrent et en le faisant après la vidéo, il y en a qui le font avant. Moi je fais ça en plein milieu pendant la vidéo, comme ça vous savez ce qu'il va y avoir dans la vidéo quoi. Très clairement. Généralement je fais comme ça, bon après il y a des moments que je ne le fais pas, après on n'est pas assez prêt, on va dire ça comme ça. Attends, je vais vraiment me faire chier à tout faire. J'ai déjà mal pour après moi. J'ai déjà mal. Ouais par contre là ça risque de m'embêter un peu. Ça risque de m'embêter un petit peu. Bon, on va faire ça comme ça, c'est pas grave. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à m'y reprendre. Nickel. Comme ça, on aura pas mal d'ensilage pour les vaches. Comme ça, on aura vraiment. Ouais, on aura pas mal. On en aura pas mal, je crois que c'est le cas de le dire. On en aura pas mal. Voilà. Putain, pourquoi il s'arrête lui en continu? Genre, il accélère et puis après, il refreine. Je sais pas. Tu vois, il a freiné, je comprends pas. Je ne le comprends pas. De toute façon, c'est impossible de comprendre les ouvriers dans Farming. Ça, c'est un truc. Si quelqu'un comprend un ouvrier dans Farming, je crois que c'est mort, hein. Très clairement, là. Voilà, quoi. Bon, après, j'avoue, les ouvriers dans Farming, ils ont quand même vachement évolué. Ça, on peut pas se le cacher. Parce que je crois que c'était dans quoi? Je crois que c'était dans le 2011. J'ai jamais joué en 2011, mais je crois que j'ai vu dans certaines vidéos, genre dans le 2011, le gars, alors t'as engagé un ouvrier sur le 2011, tu l'as engagé droit et tout, hein. Mais non, non, au final, il allait toujours dans tous les sens, le bordel. Là, par contre, voilà. Il se démerdait toujours pour terminer de. Bah, pas loin, quoi, pour revenir de travers. Donc, ça, c'était déjà. Ça, c'était le 11, je crois, hein. Après, je suis pas sûr. Après le 13, bon t'avais quand même le gars qui se. Genre il moissonnait, tu vois, au moins il allait droit, c'était déjà un bon début. Parce que j'ai joué au 13, le gars il allait le droit. Puis après. Bon voilà, il se bouffait toujours tout. Il se bouffait toujours tout, tous les poteaux, tous les arbres, il se bouffait tout. Les bâtiments, tout. Voilà quoi, il était con comme la lune. Bon, je sais, sur le 13, il y avait. Je crois que c'était sur le 13 hein, qu'il y avait le AI véhicule extension, là, le. Non, c'était pas ça, c'était l'autocombine. C'était l'autocombine qui était sorti en premier. Puis après, t'avais le truc avec les tracteurs, etc. Mais je crois bien que c'était sur le 13 qu'en premier était sorti. Non. Je suis sûr que c'est sur le 13 qui est sorti en premier l'autocombine. J'en suis pratiquement sûr. Après, ça se trouve, il est sorti sur le 11, mais je crois pas. Et je peux vous dire que ça c'était une putain de révolution pour l'époque. C'était une putain de révolution pour l'époque d'avoir l'autocombiné, parce que, enfin l'autocombine pardon, je sais pas pourquoi je suis habitué à dire autocombiné. Alors c'est l'autocombine. J'ai enlevé le gyro, ouais, j'éteins le gyro. Et ça c'était vraiment une putain de. Excusez-moi de l'expression, une putain de. Ben, un putain de mode hein, très clairement. Et après il y avait un autre mode aussi qui était sorti sur le 13. Je sais plus comment il s'appelle, mais je m'en suis jamais servi, mais je sais qu'il était sorti. C'était simplement, tu pouvais engager plusieurs ouvriers, genre t'engager trois moissonneuses, et bah les trois moissonneuses en fait allaient travailler en synchro, tu vois, genre les gars, il y en a un qui fait le tour, bah, l'autre aussi il fait le tour, mais si par exemple il y en a un qui s'arrête, bah tout, ils s'arrêtent tous, tu vois, et s'ils font des allers-retours, et bah ils sont pile à la bonne largeur et tout ça. Bon certes il y avait des bugs, mais ça, voilà quoi, mais je sais plus comment il s'appelle, je m'en suis jamais servi non plus, mais je sais qu'il était sorti. Après, certes, t'avais le 15, c'était toujours des pigeons, quoi. C'était comme sur le 13, ils allaient tout droit d'origine du jeu, je crois, hein. Ils allaient tout droit et ils se bouffaient tout. Je crois que sur le 15, c'était encore le cas.
Et après, bon, bah là, t'avais le, là maintenant, tu as le 17 où il détecte les objets, mais que sur la map d'origine, hein, pas sur les autres maps. Ça, ils sont trop cons. Excuse-moi de l'expression, mais c'est vrai. Et ils détectent que sur les maps d'origine. Donc, bon, voilà quoi, ils sont un peu cons quand même, ils sont cons sur les bords. Hein. Mais c'est déjà une bonne évolution. Une bonne évolution. Voilà, une bonne évolution de la part de Giants. Je suis curieux de savoir ce que ça va donner les ouvriers sur la phase 19. Et les ballots aussi. Les ballots aussi, ça. Si genre dès que t'as trop de ballots qui. Sur une partie, que ça ne bug plus, ça serait génial. Voilà. On va faire ce champ-là d'abord. Ça serait génial si, genre, par exemple, t'as 900 bots sur une partie. Bah, que ça ne bug plus, ça serait quand même génial. C'est vraiment le truc que j'espère. Bon, après, c'est sûr que. Voilà quoi. Parce que je crois que c'est sur FS13. T'avais beau avoir 3000 bots. Enfin, que genre, que t'aies 5 bots ou 3000 bots, dans tous les cas, t'avais pas lagué. Bon, après, tu m'étonnes que les bots sur FS13, c'était des cartons. Hein, voilà, c'était très clairement du carton. Le portail était super léger. Ça ne tenait jamais sur les plateaux, etc. Bon, ça sur FS15 et FS13. Enfin, sur FS15 et FS17, pardon, ça a été amélioré, certes. Mais ils sont beaucoup plus texturés. Bon, comme vous pouvez voir là, un peu moins parce qu'ils rentrent dans la machine. Mais il y a beaucoup plus de textures. Et c'était comme ça, et sur le 13 et sur le 15. Mais enfin, et sur le 15 et sur le 17, je vais y arriver. Mais le problème, c'est que du coup, bah, dès que tu en as trop sur une partie, hein, enfin, sur un endroit comme ça, là, il y a beaucoup trop de détails. Généralement, les PC, sauf si tu as vraiment une carte, genre une 960 ou une carte graphique 960, genre les meilleures cartes graphiques, sinon ça tient pas. Voilà, très clairement, ma carte graphique, elle aime pas trop s'il y a trop de ballons d'un coup. C'est pour ça, si je regarde par là-bas, généralement, bah, je perds un petit peu d'FPS. Bon, là, j'en perds pas vraiment. Oui, voilà. On perd pas vraiment, mais en général, si je regarde par là-bas, je perds largement des FPS. Mais bon, après, j'espère que ce sera quand même amélioré. Si c'est pas amélioré, tant pis. Hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Oui, on devra se limiter au niveau des ballots. Tiens, c'est ça aussi. Je crois que je l'ai pas mis sur la partie. C'est quoi ça? Ok, d'accord. C'est une bêta guerre. Ok, je sais même pas pourquoi j'ai ça. du coup, je sais pas. Je crois que j'ai pas mis sur la partie. Non, je crois pas. Non, non. Ah. Merde. Pas mis sur la partie, c'est pour stocker les ballots. Voilà, c'était un petit peu le truc que j'aurais bien aimé. Je crois que c'est ce que je vais le mettre aussi. Je crois que je vais le mettre sur la partie. Je crois que je vais le mettre sur la partie pour pouvoir stocker tes ballots comme ça. Bon, il y aura juste les ballons rubanés qu'il va pas prendre, mais c'est pas grave. Parce que ça n'y est pas d'origine. Il n'y a que les rondes que tu peux rubaner d'origine. Après, voilà quoi. C'est comme ça, hein, écoutez. Bon. C'est comme ça, c'est comme ça. N'empêche, on est déjà à 20 minutes, donc je crois qu'on va faire encore un ou deux ballots et puis on va s'arrêter là-dessus. En même temps, il passe vachement vite. Il passe vachement vite. Bon, après, moi, j'ai envie de banner tout ça en vidéo. Je vais avancer un petit peu sur la map quand même. Voilà, donc cette vidéo-là, normalement, elle sort mercredi. Et là, cette vidéo-là, techniquement, elle sort mercredi. Et bon, bah, après, ça sera mercredi, samedi, mardi. Mardi, vendredi, après lundi, lundi, jeudi, dimanche, voilà. Donc une semaine sur trois, vous allez avoir trois vidéos et puis deux autres deux vidéos. Je crois que je l'avais déjà dit dans la vidéo en plus. Mais je suis tellement perdu dans lorsque je fais mes vidéos, je suis tellement à fond dedans que j'oublie ce que j'ai dit avant. En fait, c'est bizarre, je sais pas comment vous l'expliquer. Enfin bref. Voilà. Bon, on va aller au ballot d'à côté. Voilà. Donc en tout cas, oui, attendez, un petit détail quand même. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo de ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!